Avant qu'elle ne commence les gars, je vous donne la chance de gagner ce marché noir interstellaire. Tout ce que tu dois faire, c'est premièrement t'abonner avec les notifications, comme ça tu auras plus un upload. Deuxièmement, mettre un like sur la vidéo. Et dernièrement, mettre un commentaire qui contient ta plateforme, ton pseudo sur cette plateforme, que tu aimerais l'interstellaire, ainsi que l'argent que tu devrais gagner ce marché noir. Le gagnant sera annoncé quand on atteint les 12 500 abonnés. Bonne chance à tous. Ok les gars, aujourd'hui un abonné m'a prêté son compte pour que je trade dessus. J'ai obtenu sa première fenêtre et je vais vous donner quelques conseils pour comment vous pouvez faire exactement la même chose. Bonjour à tous les amis, c'est LuxiTrade et aujourd'hui les gars, un abonné m'a laissé trader sur son compte pour que je lui aie sa voiture préférée, la Fennec. La Fennec est l'une des meilleures voitures de jeu, malheureusement il faut avoir des crédits pour l'acheter, soit de la boutique ou de quelqu'un qui l'a. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose que je vais faire aujourd'hui, ainsi que des conseils pour les débutants dans le trade. Dans son inventaire, j'ai découvert qu'il y avait certaines choses qui avaient une valeur assez haute pour des objets qu'on trouve presque dans tous les inventaires, que à mon avis 80% de vous ont, que vous croyez complètement inutile, et aussi que 80% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors si tu aimes cette vidéo et ma chaîne en général, n'hésite pas à liker et t'abonner, ça aide énormément la chaîne, c'est gratuit. Et si jamais tu changes d'avis, si t'aimes trop le type de contenu que je fais, tu peux toujours te désabonner. J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps et sans attendre les gars, sautons directement dans la vidéo. Juste avant d'entrer dans la vidéo, j'aimerais faire une grosse dédicace à notre nouveau sponsor, RL Exchange. Ce site vous permet d'acheter des objets et des crédits rapidement en toute sécurité. Ils font des offres de malade et utilisez le code LUXI pour recevoir un bon de 3% de réduction sur tous vos achats. Vous n'êtes même pas obligé de dépenser de l'argent chez eux. Ils font des concours, c'est super facile d'y participer. Et aussi, il y a même à disposition des moyens d'obtenir de l'argent gratuitement sur leur site pour après la dépenser sur des items. Si tu es intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description, mais sinon bonne vidéo. Juste avant de me lancer dans le trade, j'ai fait un petit état des lieux. J'ai vu qu'il avait une Komodo 250 crédits, quelques plans 1 qui étaient paranoïdisés. Vous allez voir pour combien on l'a vendu, ça m'a vraiment choqué, ainsi que plein d'objets trade up, la plupart peu courants ou rares. J'ai directement commencé à trade up tous les peu courants, j'ai gardé les rares parce que je sais que certaines personnes achètent l'item non pas parce qu'il est trade up mais parce qu'ils le recherchent. Au total, son inventaire a une valeur entre 300 et 500 crédits, ce qui le rend la tâche assez facile. Il avait juste plein d'items super durs à vendre. Pour ce premier trade, ceux qui regardent les tutos de la chaîne assez souvent, là où je trade les gars, vous connaissez ma technique préférée, c'est de vendre les objets trade up, car ils sont juste super faciles à vendre les gars. Des objets trade up, c'est comme des crédits gratuits là. Vous les avez en faisant des défis, vous pouvez obtenir des drops, et en ouvrant ces drops, et on peut avoir ces trade up. Dans le prochain trade, nous vendons deux objets qui sont super durs à vendre, et vous avez deviné, deux objets trade up très rares qui sont, comme je viens juste de le dire, super faciles à vendre pour 30 crédits les gars. Dans ce prochain trade, nous vendrons directement ces deux objets trade up très rares pour 30 crédits unités, ce qui me donne 60 crédits les gars. Dans le prochain trade, j'ai pris un gros risque. Si vous n'avez pas trop d'expérience en trade, je vous conseille fortement de ne pas utiliser cette technique. C'est là où on achète une page de stuff Rocket Passepain pour 100 crédits. Et j'ai eu assez de chance de pouvoir repayer mon investissement. Là, on a directement tradé une de nos roues du pass qu'on vient juste d'obtenir pour un flip-up importé qu'on peut facilement vendre pour 40 crédits. Les gars, comme je viens juste de dire, les trade-up super faciles à vendre. Et là, heureusement, j'ai réussi à repayer mon investissement. J'ai payé les deux roues blanc titane qu'on avait eu. J'ai vendu 50 unités à un mec qui les recherchait. Du coup, ça me fait 100 crédits dans la poche. Facile, les gars. Et là, toutes les autres roues que j'ai, c'est du bénéfice. Prochain trade, comme j'avais dit, les gars, j'avais gardé 7 rares parce que je sais que les ailes de dragon sont assez recherchées et je les trade pour cette explosion de but, végétation en profusion qui est assez demandée. Là, trade assez basique, on vend directement le trade up importé qu'on a vu tout à l'heure pour une somme de 40 crédits. Les gars, conseil, vendez vos trade up très rares pour 30 crédits, vos importés pour 40 et vos exotiques pour 200. Voici les gars le plan
Pearl a nous disait que je vous avais parlé. Et ben vous voyez, on l'a vendu pour 50 crédits les gars. La raison est parce que si et ben on trade up 5 de ces plans Pearl a nous disait, on peut avoir ben un plan Fennec les gars, c'est insane. Et là j'ai vite revendu mes plans les gars. Les plans, pour ceux qui savent pas, ben on peut les trade up. Il y a certaines personnes qui les recherchent. Et du coup ben je me suis juste dit bon vas-y, ben si j'allais vendre mes plans, j'ai direct trouvé ben comme tout à l'heure un mec qui voulait mon plan Pearl a nous disait, et là un mec qui voulait ben m'acheter tous mes plans en général. Et les gars, un petit conseil, demandez toujours que la personne ajoute. Vous pouvez voir, là j'ai eu deux roues et ben du pass. Vous savez jamais, des fois et ben on peut facilement trouver des gens qui mettent par exemple ben, une roue du pass blanc titane, qui connaissent pas exactement la valeur, et c'est du bénéfice gratuit pour vous. Dans ce prochain trade, nous achetons et ben une roue exotique trade up pour 160 crédits. Mais ben elle se vend pour 200 crédits, du coup 40 crédits de bénéfice les gars. Tout ce que j'ai fait, je suis allé sur les communautés PS4 les gars. D'ailleurs c'est là où je trouve tous mes trades. Et il y a un mec qui a mis eh ben, qu'il avait une roue de trade up 160 crédits. Ben, une astuce, essayez de rester actif sur les communautés. Comme ça dès qu'il y a une personne qui met un trade, vous pouvez directement être la première personne à prendre ce trade, et la personne qui se fait le plus de bénéfices. Dans ce prochain trade, eh ben, nous vendrons notre Komodo et nous ajoutons 100 crédits pour 2 trade up très rares et un neuroagitator. Vous me demandez, mais Loxy, pourquoi tu fais ça? Tu te fais pas vraiment de bénéfices. Et les gars, la raison est que la Komodo, c'est la voiture la plus dure à vendre, les gars. Restez loin de cette Komodo, elle est super dure à vendre, les gars. Et du coup, bah, on a eu 2 trade up très rares, super facile à vendre, et un neuroagitator qui sera peut-être pas facile à vendre, mais en tout cas beaucoup moins dur que la Komodo. Prochain trade assez basique, nous vendons et ben la roue exo trade up qu'on a eu ben dans les trades précédents pour 200 crédits les gars. Comme j'ai dit, ben un tarif super pour vos trade up, c'est 200 crédits. Là vous allez voir les gars, je me suis dit allez, pourquoi on va aider un abonné. Alors en aidant un abonné, on va aussi et ben on va arnaquer des arnaqueurs. J'ai joué un petit peu les gars, je vais pas vous expliquer trop. Vous pouvez aller voir la vidéo comment arnaquer les arnaqueurs. Mais de toute façon, j'ai eu des bonnes choses en faisant ça les gars. Des fois il y a des arnaqueurs, c'est les pires arnaqueurs, c'est super facile de prendre leur stuff. Dans le prochain trade, nous vendrons notre neuroagitateur. Malheureusement, j'ai pas pu le vendre et ben pour la valeur minimum. Et c'est quand même un bon trade quand même, parce que je sais que des fois les BM comme ça peuvent être super super compliqués à vendre. Dans le prochain trade, nous ben nous vendrons tout le reste de nos plans et ben juste pour un trade up rare. Je sais que ces plans ils avaient pas beaucoup de valeur. L'autre mec il sait que ben son rare avait pas beaucoup de valeur. Il manquait juste et ben un rare pour faire un trade up, pour avoir un trade up très rare. Malheureusement j'ai pas eu beaucoup de choses. Mais dans le prochain trade, il y a un mec qui dit j'ai besoin de 40 crédits urgents les gars. Quand il y a des gens qui ont besoin de urgent, dès que vous leur mettez 40 crédits, ils sont prêts à faire tout. Ils vont pas mettre genre un BM, mais genre ils sont prêts à ajouter pas mal d'objets. J'ai réussi à avoir ça. Dans le prochain trade, nous tradons nos objets du pass qui ont pas beaucoup de valeur pour cet objet trade up. Les gars, les objets trade up, comme je n'arrête pas de le dire, c'est des mines d'or. Ils sont super faciles à vendre pour 30 crédits. Encore une fois là les gars, nous transformons et ben une roue qui est pas trade up en roue trade up. Comme ça, ça la rend beaucoup plus facile à vendre les gars. Ça, c'est deux techniques que je vous conseille pour et ben se faire des crédits facilement. Prochain trade, un trade assez basique là où ben on vend 6 trade up très rares. Et bien sûr, j'ai demandé au mec qu'il ajoute pour que je me refasse encore un petit peu plus de bénéfices. Dans ce prochain trade, et ben en fait, et ben bien sûr les gars, vous me connaissez, j'adore troller les arnaqueurs. Et du coup, il y a un mec qui dit ah, je fais une miniature. Et ben du coup, ben je me suis dit ben vas-y, pourquoi pas le troller un petit peu. C'était un petit peu un risque, mais après les gars, il avait bien dit je vous donne du stuff. Il m'a vraiment donné du stuff les gars, j'y croyais même pas. Ben le mec il m'a dit juste je sais pas pourquoi il fait ça, peut-être qu'il essaie d'arnaquer, mais en même temps il voulait si jamais il n'arrivait pas, il allait quand même bien récompenser ben la personne qui l'avait aidé entre guillemets. Prochaine fois les gars, on fait encore du troll sur les arnaqueurs les gars. Vous me connaissez, les arnaqueurs et moi c'est une histoire d'amour, je les adore. Non, je les déteste les gars. Et du coup c'est pour ça ben les arnaqueurs, et ben faut les arnaquer encore. On va utiliser la même technique que tout à l'heure. Comment arnaquer les arnaqueurs? Je sais que là en ce moment je suis en train d'un petit peu d'abuser de ben j'arnaque les arnaqueurs, mais c'est un moyen extrêmement facilement de se faire du stuff. Dans ce prochain trade, malheureusement j'ai perdu une paire de SLK. Ben en fait il fallait juste 10 crédits. Prochain trade, et ben en fait nous achetons et ben ben en fait nous vendons le concentré de puissance qu'on avait acheté pour 40 crédits. Et là nous le revendons pour 40 crédits plus une explosion de but les gars.
Il y en a beaucoup qui me disent Luxy, est-ce que tu peux je peux créer une explosion de but, les gars? Vous voyez, c'est aussi simple de se faire une explosion de but juste en demandant aux gens d'ajouter. Du coup, les gars, dans ce prochain trade, j'ai dû tricher un petit peu, les gars. Désolé, mais j'avais juste plus de temps sur moi. En fait, et ben, vous voyez ce très rare, j'ai dû vraiment me. C'est en fait, c'est l'abonné qu'il a eu. Et ben, en jouant, et ben, il avait eu. Ben, en faisant les défis, on peut avoir les boîtes. Et dans ces boîtes, et ben, il l'a ouvert et il a eu ce très rare. Les gars, je suis vraiment désolé. Ben aussi, vous aussi, vous pouvez faire exactement la même chose. Je sais que la plupart de vous qui regardent ces vidéos, vous aussi, à mon avis, vous voulez une fenêtre. Du coup, à mon avis, pour vous jouer, tu vois, genre, jouer, obtenir des boîtes, c'est pas un problème. C'est juste pour la vidéo. Moi, j'évite de prendre des items gratuits, etc. Et de trader avec des abonnés. Mais là encore, les gars, désolé, c'est le dernier trade de cette vidéo. Mais j'ai dû tricher, les gars. Encore, je suis vraiment désolé. J'avais juste plus de temps. J'ai dû demander à un abonné extrêmement gentil, d'ailleurs merci à toi maître pingouin mec, tu m'aides énormément. Et ben en fait ce qui s'est passé les gars, j'arrivais juste pas à trouver personne voulait accepter mon offre pour la fenêtre. C'était une offre correcte, c'est juste que personne voulait la prendre. Mais du coup bien sûr parce que c'est un abonné, il va me l'offrir. Mais genre sinon ça m'aurait pris beaucoup plus de temps pour trouver un gars qui voudrait acheter ma fenêtre. Du coup les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker. Je suis vraiment désolé de la manière que j'ai parlé, les gars. J'ai beaucoup de peine à articuler. Je sais, je fais de mon mieux. Vous inquiétez pas, j'aurai bientôt des bugs. À part ça, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre dans les commentaires le mot Fennec et je te mettrai un petit cœur. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et ouais, sur ça, les gars, je vous dis à la prochaine. Smoke, breathe in and let me go. Sing to your heart.